Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le dernier soldat français vient de quitter le Centrafrique. Ça y est, victoire acquise. La victoire totale en ce qui concerne la base militaire, les bases militaires françaises au Centrafrique. Nous saluons les efforts, le travail fourni par le président Touadéra et son gouvernement de pouvoir évacuer ces mercenaires de la Légion étrangère sans qu'il y ait effusion de sang, sans qu'il y ait un coup de fusil. C'est formidable et c'est excellent. Mais après cela, quelle est la suite à donner? Il faut savoir qu'il y a encore la présence militaire française au Centrafrique via la MONUSCA, la mission des Nations Unies au Centrafrique. Je veux rappeler à tous ceux qui m'écoutent en ce net moment que c'est la France qui détient le pen holder en ce qui concerne les dossiers africains au Conseil de sécurité. Donc, toutes les missions des Nations Unies, c'est selon la volonté de la France. C'est la France qui est à l'origine de la présence militaire des soldats d'occupation, des soldats de businessmen. Hein. C'est ce qu'on appelle l'humanitaire business. Ils ne sont pas là pour régler un seul problème. Ils ne sont pas là pour faire la guerre contre les rébellions ou les terroristes. Ils sont là pour venir, consolider la présence des puissances occidentales dans le pays et faciliter le pillage. Ce sont eux le frein de tout processus de développement ou d'indépendance, de souveraineté. Parce que vous voyez, maintenant, ils se passent pour des experts en matière de droits de l'homme et on ne les a pas vus parler des droits de l'homme en Libye. Bref, je voudrais dire par là que la France n'a pas préparé cette mission pour les autres. Elle l'a préparée pour elle-même aussi. Donc, elle sort par la porte, elle revient par la fenêtre ou elle y reste par des tactiques onusiennes.
le fait qu'il y a toujours la mission des Nations Unies là, la France est toujours présente au Centrafrique. Je ne veux pas parler du CFA, on en parlera dans une autre vidéo, mais là, le CFA aussi, c'est un autre des piliers de la France, mais la mission, je veux dire par là, que la mission des Nations Unies au Centrafrique doit partir. Je comprends que le gouvernement fait des efforts, c'est incontestable, notamment la ministre des Affaires étrangères, Madame Témont, et je crois que je comprends aussi que les Français ne veulent pas, les Français et leurs alliés, quoi, ne veulent pas que cette mission parte, parce qu'ils savent que si cette mission parte, ils n'auront plus d'œil et de main armés pour agir au Centrafrique. Il a déjà été démontré que les missions des Nations Unies, notamment au Centrafrique, sont elles qui forment les terroristes, qui forment les rebelles, qui les arment et qui les aident à occuper le terrain dans nos pays. Donc, le président Touadéra a encore du boulot. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut s'attaquer maintenant à la mission des Nations Unies sur son territoire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Je fais confiance au président Touadéra parce que je pense qu'il est à la hauteur, il pourra arriver à faire partir cette force d'occupation avec l'aide, bien sûr, de la population centrafricaine. Et la seule chose que je peux dire, bonne chance. Et je vous bénis au nom de tous nos ancêtres. Soyez bénis abondamment. Mais que ceux qui persécutent les Africains et les panafricanistes en particulier, tous ceux qui déstabilisent et pillent nos pays, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, maudits, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.